C'était samedi soir sur le ring dressé au centre du superbe complexe Mohamed V à Casablanca, le championnat du monde des lourds légers entre le français d'origine tunisienne Taoufik Belbouli à droite et l'américain Michael Greer, champion des États-Unis de cette nouvelle catégorie des lourds légers. Plus de 6000 spectateurs dans cette superbe enceinte à proximité du grand stade de Casablanca et une salle tout entière dévouée à la cause de l'enfant du Maghreb, Taoufik Belbouli, en passe de devenir le premier champion du monde d'Afrique du Nord, ce que, avant lui, n'avait pas réussi à obtenir des garçons comme Chérif Amia ou Séraphin Ferrer il y a quelques années. Sous les ordres de l'arbitre portoricain M. Rodriguez, les deux hommes écoutent les dernières recommandations avant ce championnat du monde très ouvert entre deux hommes qui frappent et dans lequel, si Michael Greer présentait les meilleures lettres, les meilleurs titres de noblesse, Taoufik Belbouli pouvait opposer un punch certain et se souvenir que, par exemple, Michael Greer avait dans sa carrière été mis notamment 5 fois KO face à des garçons comme Carl Williams, Tom Stevenson, DeLeon, Pinklon Thomas ou Jeff Sims. Cela remontait évidemment au début de sa carrière, mais cela peut toujours donner confiance. Premier round d'un championnat du monde prévu en 12 reprises de 3 minutes. Taoufik Belbouli, disputant le match de sa vie à l'âge de 30 ans, il les aura le 10 avril prochain. C'était son 28e match, un joli palmarès pour le franco-tunisien. 26 victoires, dont 23 avant la limite, une seule défaite, concédée en 1985, au point en 8 rounds face à Yavé Davis. Réflexion de l'arbitre sud-américain pour Belbouli qui doit se reculer au moment où l'arbitre donne l'ordre du break comme le veut le règlement. C'est bon les genoux là. Et tout au long de ce match, vous allez entendre et vous allez voir également dans le coin de l'ex-champion de France des poids lourds, Taoufik Belbouli, vous allez donc voir et entendre Louis Acariès qui jouera un rôle, on le verra, non négligeable dans le déroulement et dans l'issue de ce championnat du monde. C'est bon, reste sur le côté droit. Watch your head. Attention aux têtes, a dit monsieur l'arbitre. Et une bonne droite en sortie de la part de Belbouli, qui subit pourtant un petit peu en cette reprise initiale face à un adversaire qui a décidé d'imposer sa puissance et de rentrer dedans. À la pesée, le jour du combat, à midi, les deux hommes ont accusé le même poids, 86 kilos. Voilà, c'est bon. Et baisse la tête, baisse. Baisse la tête, champion. Fight your way out, fight your way out. Bien sorti des cordes, là, Belbouli. Mais en boxeur expérimenté qu'il est, Michael Greer a en effet 34 ans. Celui-ci, dès qu'il est en difficulté, se couche sur son adversaire pour l'empêcher de donner ses coups, qu'il sait très dangereux. Fin du premier round, une première reprise équilibrée, sensiblement nulle entre les deux adversaires, chacun ayant eu sa période au cours de ses 3 premières minutes.
When the bell rings, okay. Let's go in. Two inside, one of them. You got to go down. You got to go down. Et vous entendez déjà les conseils de Louis Acariès à Taoufik Belboul. Ce que tu as fait, c'est merveilleux. N'oublie pas les genoux, ça va passer au-dessus. Ne t'énerve pas, ne donne pas de coups après le grève. Il faut que tu prennes confiance en toi, que tu vas être champion ce soir. Tu peux le devenir. Ne perds pas l'amour. Sois assez concentré pour gagner. Ok ? Mais pas plus que ça. Et continue comme ça. Allez, mon petit, vas-y. N'oublie pas les genoux. Deuxième reprise au cours de laquelle Belboul va s'efforcer de mettre en pratique ce que lui a dit dans son coin Louis Acariès, c'est-à-dire bien se servir de ses jambes, bien profiter de ses appuis pour donner ses coups, car incontestablement Belboul frappe très fort, il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Mais pourtant, dans ces échanges difficiles, lorsqu'il est dos aux cordes et que l'Américain impose ses séries, et notamment ses uppercuts des deux bras, Belboul souffre, il le dira plus tard, il a eu mal à plusieurs reprises dans ses échanges. T'énerve pas. Voilà. Direct du bas. C'est bon ce que tu fais. T'énerve pas. Sortir des cordes le français face à un adversaire bien en jambes et qui domine dans cette deuxième reprise. Triplé, corps face, et Louis Acariès dans son coin, toujours très présent, qui donne des conseils aux Français, dont la constance n'est pas le point fort, et qui peut, dans un combat dur, se montrer fragile moralement. Fort heureusement, ce ne sera pratiquement jamais le cas. Bonne attaque encore là, et bon contre du direct du gauche français. Ne tapole pas, ne pousse pas, ne pousse pas. Voilà, toujours ces séries difficiles pour Belboul en cette deuxième reprise, lorsqu'il est dos aux cordes. Et fin de la deuxième reprise, celle-là nettement à l'avantage de l'Américain, qui prend donc un sensible avantage en ce début de combat. Ce que ne va pas manquer de dire Louis Acariès à Belboul dans son coin. Dans les cordes et qui te frappe. Tu es en train de le fatiguer, regarde, après, il reste au milieu du round, il ne peut pas enchaîner derrière. Donc ce qu'il faut que tu fasses, Taoufi, c'est de temps en temps le laisser frapper dans les cordes, et à la sortie, toi, mettre des coups, est-ce que tu comprends? En contrôlant tout. Tu as vu les genoux dans les cordes? Ça passe, ça fait plus mal. Tu fais attention, toujours, respire. Tu as compris que tu vas être champion? N'oublie pas ton direct du gauche. Et si des fois, sur un coup, tu l'envoies par terre, pour l'amour de Dieu, ne t'affole pas. Ça va, tu es bien? Laisse-le avec la souplesse des genoux. Tu vas le fatiguer, laisse-le te frapper. N'oublie pas les percutes droite, gauche et gauche. Ne perds pas la boule, champion. Voici
Ne perds pas la boule, champion, a dit Luis Acariès, alors que dans le coin de Michael Greer, on est nettement moins euphorique. En effet, le boxeur du manager de Memphis dans le Tennessee semble redouter le punch de Belbouli et il dit à son boxeur de se méfier, conscient lui aussi qu'il a remporté la deuxième reprise et donc qu'il mène légèrement au point. Mais le combat ne fait que commencer. 12 rounds, c'est très long. Oui, oui, Taufik, ça vient. Four. Okay, break. Toujours dans les cordes, ayant du mal à s'en sortir, mais commençant à mieux libérer ses coups. Taufik Belbouli n'a pas l'habitude de démarrer très vite ses combats. Et là encore, il lui a fallu quelques minutes pour rentrer dans le vif du sujet. Il semble que maintenant il est mieux en jambes et il peut se rapprocher de son adversaire. Donne des coups dans les dents, donne des coups dans les dents. Allez, vous faites pression, ne pensez pas à ce coup. Donne des coups, donne. Et le public qui réagit bien, un public très coloré. Et nous l'avons dit, tout à l'avantage de Belbouli, dont il a fait son favori. En effet, il n'y a jamais eu de championnat du monde disputé sur un ring dressé dans une ville du Maghreb. Et évidemment, jamais un boxeur né en Afrique du Nord n'est devenu champion du monde sur sa terre. Ce serait donc un grand événement si en ce samedi soir, Belbouli devenait champion du monde des lourds légers. Cette troisième reprise est bonne. Voilà encore une belle droite du Français qui enchaîne beaucoup mieux ses coups. Et malgré la pression que tente de lui imposer Greer, c'est lui qui place les coups les plus nets. Alors que M. Rodriguez réprimande Greer pour boxer un petit peu tête en avant. Cela peut être en effet extrêmement dangereux. Champion, calme-toi. Calme-toi, uppercut. Allez. Bien boxé en sortie, bien travaillé en uppercut, comme Luis Acariès lui demande dans son coin. Taufik Belbouli remporte cette troisième reprise. Et regardez bien. Le gong a résonné, mais les deux boxeurs ne l'ont pas entendu et ils continuent à se battre. Alors Luis Acariès jaillit dans le ring, ce qui est formellement interdit, et l'arbitre le lui fait remarquer. Acariès, lui, dit à l'arbitre qu'il n'a pas entendu le coup de gong. On siffle dans le public, incident qui n'aura évidemment pas de suite. Troisième reprise remportée par le Français, les deux boxeurs pratiquement à égalité lorsque va commencer la quatrième reprise. Et toujours la persuasion de Luis Acariès. Tu vas gagner. Même s'ils sont pas forts dans les gants. Un coup en bas, l'estomac, direct du gauche. Marque des points pour que chaque round au moins tu le gagnes. Et ne t'affole pas. Tous les coups que tu donnes, donne-les le plus court possible. Et baisse ta tête et dans les courbes, laisse-le frapper. Second dehors et début de la quatrième reprise qui va être un petit peu le tournant de ce combat. Sur ses coups, Belbouli. Mais il commence à imposer sa puissance.
même s'il est encore, comme ici, en difficulté dans ses échanges de prêts, où le dos aux cordes, il s'expose aux lourds uppercuts de son adversaire. Attention à la tête. À toi, tout de suite. À toi, gauche droite. Allez, Taufik. Tu veux gagner le championnat. Et l'ex-champion d'Europe, Louis Acariès, qui impose à Belbouli une boxe offensive en lui disant de frapper le premier, de marquer des points, ce qui est important sur les petits cartons des juges. Et en frappant des deux mains comme ici, même lorsque Greer se protège, il concède, il prend des coups. Comme ici, gauche-droite, et tout de suite, avec beaucoup de métier, le boxeur américain paralyse son adversaire en rentrant en corps à corps. Et entendez le public qui manifeste lorsque c'est Greer qui frappe en uppercut comme ici. À toi maintenant, à toi, Taufik. Voilà. Taufik qui essaye de s'imposer en sortie de corps à corps en frappant le premier. Et alors que le round numéro 4 se termine, Belbouli passe une nouvelle fois à l'offensive et cette fois-ci, Greer est en difficulté, crochet gauche, droite, au corps, à la face, un crochet gauche. Et une droite terrible qui percute la mâchoire de l'Américain que l'on croit irrémédiablement KO. Mais ce diable d'orme a des ressources. Il se relève au compte de 8. L'arbitre lui demande si ça va. Ok, répond Greer. Belbouli se rue sur son adversaire, mais fort heureusement pour Michael Greer, le gong marquant la fin du round numéro 4 résonne, sauvant l'Américain d'un chaos probable. L'arcade sourcilière gauche touchée. Un échange d'une violence inouïe et surtout une droite finale à assommer un bœuf. Mais il en faut plus que cela pour descendre Michael Greer, qui pourtant semble là au ralenti, bien bien mal en point. Coin de Belbouli, son manager Monsieur Senta très calme et toujours très persuasif Louis Acariès qui lui dit tu vas le mettre KO mais reste calme et il va trop écouter peut-être Louis car dans ce round numéro 5, eh bien au lieu de poursuivre sur son avantage de la reprise précédente, face à un adversaire fuyant et se protégeant beaucoup mieux, Taufik Belbouli va se laisser impressionner par le métier de son adversaire, n'osant pas prendre l'initiative. C'est peut-être son défaut, car malgré ses 30 ans, Belbouli, qui n'a pas eu de combat très dur depuis le début de sa carrière professionnelle, Belbouli, qui est un boxeur neuf, a du mal à enchaîner ses actions, à enchaîner round sur round. Les secondes, les minutes passent dans ce cinquième round et Greer petit à petit récupère après son terrible knockdown de la reprise précédente.
C'est peut-être le tort de Belbouli de lui avoir laissé le temps de revenir, de retrouver ses jambes petit à petit et de retrouver ses esprits. Constatez, Michael Greer en dansant, en tournant, recule, s'échappe et casse un petit peu le rythme du match. Cela aussi, ça fait partie de la boxe. Savoir reculer pour quelquefois mieux repartir. Là, en fait, l'Américain recule pour récupérer et il a réussi à paralyser le Français pendant près de 3 minutes car le cinquième round est sur le point de se terminer. Un cinquième round qui se termine et on retrouve dans le coin de Belbouli un Louis Acariès pas content du tout. Si tu perds ce championnat, c'est ta faute. Hein. On rigole pas là. Tu sais que c'est le combat le plus important de ta carrière. Qu'est-ce que tu attends qu'il te fasse ça jusqu'à la fin des 12 reprises du cinéma? Et après, il va pouvoir te contrer. Tu respires, tu fais pas le fou. Tes genoux, ton direct du gauche et ta droite vite. Tu fais pas le fou et tu vas finir avant la limite. Tu baisses ta tête. Oh, mais faut en finir. Ne laisse pas passer ta chance. Il est par terre, c'est toi le champion. Ok? Allez. Oh! Sixième round. Et il faut absolument, comme l'a dit le cadet des frères Acariès, il faut absolument que Taoufik Belbouli reprenne sa marche en avant et recommence à chercher son adversaire, à aller le prendre chez lui pour le toucher et le mettre définitivement hors de combat. Toujours la méfiance de Greer qui a été échaudée par ce quatrième round où il est vraiment passé très très près de la catastrophe. Beaucoup d'échanges non plus dans la première partie de cette sixième reprise. Et l'Américain se voit demander par l'arbitre portoricain, vous ne voulez plus combattre? Si, si, répond-il, alors boxez et ne soyez pas totalement négatif comme vous l'êtes déjà depuis plusieurs minutes. Alors un petit peu tête en avant, comme il l'a fait durant les trois premières reprises. L'Américain essaye de boxer lorsque Belbouli a le dos aux cordes et de lui imposer ses lourdes séries du percut des deux mains. Oh.
Et puis dans la dernière minute de cette reprise, c'est le réveil de Belbouli, mais toujours les réactions dangereuses de Michael Greer, le boxeur de Memphis, champion des États-Unis de cette catégorie des lourds légers. Qui va arriver au terme de la sixième reprise. Une sixième reprise, là encore, très égale. Une reprise égale et où il ne s'est pas passé grand-chose. Quand tu es mal en point, lui dit-on dans son coin, il faut t'accrocher et tenir. Sans t'énerver. Tu vas avancer sur lui en baissant les genoux et l'épaule. Même si tu reçois un peu des coups, tu les manges et derrière tu les donnes. Il faut que tu prennes des risques. C'est pas maintenant qu'il va te mettre KO, il n'a plus rien dans les mains. Tu l'as tué. Il ne te met pas à 3 mètres, Taofik. Maintenant tu avances sur lui, ne force pas tes coups. Une fois que tu es pris de lui, tu lances ta gauche-droite rapide. C'est là que tu l'attrapes plus loin. Gauche-droite rapide, crochet gauche. Et quand il est près de toi, il perd que du droit, tu vas lui arracher la tête. Il perd que du droit. Ok ? Mais maintenant, ce que je veux, que tu restes pas à 3 mètres de lui. Donne des petits coups pour t'approcher. Et après, tu lui donnes fort, gauche-droite. Vous voyez comme Louis Acariès sent bien ce match. Et tout ce qu'il dit pendant les minutes de repos se trouve vérifié sur le ring quelques instants plus tard. C'est vrai que du côté de Greer, on semble baisser à vue d'œil. La confiance doit revenir chez Belbouli, qui a le match bien en main et qui risque de moins en moins, le punch de son adversaire ayant été émoussé. Avec cette septième reprise, on débute la deuxième moitié du combat avec un Belbouli menant assez nettement au point. Et ces dernières offensives de l'Américain sont un petit peu comme ses dernières cartouches. Car c'est vrai qu'il apparaît quand même un petit peu comme étant fatigué. Les jambes ne répondent plus tout à fait comme au début du combat. Et il faut que Taofik Belbouli ait le courage de s'approcher, comme le lui demande Louis Acariès dans son coin. Droite là de Taofik Belbouli. Tunisien d'origine, je vous l'ai dit, naturalisé français qui habite maintenant à Marseille. Taofik Belbouli qui est en passe d'entrer dans la légende avec une bonne droite en sortie ici. Bien à distance maintenant Belbouli qui attaque en large crochet du gauche. Un Belbouli qui frappe terriblement et dont tous les coups font mal.